l'a bien dit le professeur, nous allons continuer cette séance avec Frau Diouf qui va nous parler des thématiques du baccalauréat. Frau Diouf, vous avez la parole. Merci beaucoup Madame Baye. Alors sans plus tarder, nous allons enchaîner avec la thématique des épreuves que vous aurez au baccalauréat. Les thèmes les plus récurrents que nous avons en terminale L et S sont les suivants. Vous allez avoir des thèmes portant sur alterne une kinder, ça veut dire parents et enfants. Donc, les thèmes sur alterne une kinder. Ensuite, Medien und Kommunikation. Media et communication. Und Umwelt, Klimawandel, sich engagieren. Ça veut dire, ça va porter sur l'environnement. Klimawandel. Ce n'est pas exactement le climat, mais c'est les. Il y a climat et Wandel. C'est un mot composé de climat und Wandel. Wandel vient du verbe Wandel. Donc, vous avez climat, der climat, plus der Wandel, qui veut dire le changement ou bien. Les changements. Donc, ça va donner les changements climatiques. Donc, vous avez l'environnement, les changements climatiques et sich engagieren, tout ce qui concerne l'engagement. OK? Il y aura également des thèmes où vous pouvez avoir des thèmes sur la gender problématique. Gender, ça ne vous dit rien? Genre. Le genre, la problématique genre. Quand on parle de genre, c'est les problèmes que peuvent rencontrer ou ce soit genre masculin ou féminin, l'homme ou la femme en situation de problème. C'est ça qu'on appelle la problématique genre. Ensuite, zusammenleben, le vivre ensemble et tout ce qui va avec les problèmes dans les familles, dans les vivre ensemble, dans les formes de vie, etc. Et ensuite, Streitschlichtung. Vous avez des streits. Qui veut dire, au pluriel vous allez ajouter « e », qui veut dire, ça vient du verbe « streiten », qui veut dire, zum Beispiel, zu Hause, quand vous êtes à la maison avec votre frère, il y a tout le temps des querelles, merci. Des querelles, des petites disputes, c'est ça qu'on appelle « streit ». Et le verbe c'est « streiten » plus « schlichtung » maintenant. Dit Schlichtung. Quand il y a des disputes, des querelles, il faut toujours trouver des solutions. C'est ça. Schlichtung, c'est les solutions que vous pouvez apporter aux disputes qu'il y a dans la famille. Et quand vous avez le même mot, ça va donner le mot composé Streitschlichtung, des solutions que l'on trouve au problème. Alors, regardez ici au tableau. Qu'est-ce qu'on a ici? Format bac. Oui. Ensuite, vous avez Oui. Et vous avez barème, etc. Donc, quand vous voyez ça, cela vous fait penser à quoi? Parce qu'en introduction, j'ai introduit les thèmes récurrents au bac. Alors, si on dit format bac, ça veut dire format de quoi? Format de l'épreuve du bac. Donc ici, vous avez format veut dire quoi? C'est là le déroulement des épreuves. Pas exactement déroulement. Format, c'est? C'est la formation. La présentation. Comment se forme? Comment vous avez? Sous quelle forme vous avez l'épreuve du bac? L'épreuve du bac. C'est sous forme de trois exercices ou trois épreuves, dont la première, c'est la compréhension du texte avec comme barème 8 points. Ensuite, expression écrite. Ici, ce n'est pas 8 points parce que si vous faites le total,
C'est 6. C'est 6. Donc, c'est ici, c'est 6 points, 8, 6. C'est bon? Alors, si vous voyez cela, je vais vous laisser 2 à 3 minutes pour travailler sur comment vous comprenez chaque exercice, ce qu'il faut faire pour chaque exercice. Je vous laisse faire ça. Pas en binôme, à deux. Vous travaillez à deux. Si on vous demande, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque exercice, comment aborder chaque exercice. Vous avez compris? OK. Alors, faire tiche? Vous avez terminé. Alors, on va y aller avec le premier exercice qu'on appelle comment? Donc, ça, compréhension, comment vous appelez ça en allemand? Parce que vous avez l'habitude qu'on vous donne les exercices, les consignes en français. Mais il faut savoir comment on le dit en allemand aussi. Mm-hmm. Yeah, Textverständnis. C'est Textverständnis où vous avez plusieurs rubriques. Comme, par exemple, si vous avez un, ce sera généralement. Mais on vous demande quoi là-bas? Oui, mais c'est pour tester quoi? Quelle compréhension? La compréhension se divise en 3 sous-parties. Il y a une première compréhension. Et si le texte a déjà un titre? Oui, c'est ça que vous voyez. Mais le vrai ou faux, ça doit tester quoi? Et le cocher A, B ou C, c'est pas pour tester la compréhension du texte? Alors, le premier exercice a un sens, le deuxième un autre sens. Oui. Autrement dit, l'idée générale. On appelle ça global Verständnis. Vous avez ça. Global Verständnis, que vous avez ça. Après, la globales lesen. Ça veut dire quoi? Lecture. La première lecture doit servir à pouvoir dégager quoi? L'idée générale. Et vous avez ça sous forme de quoi? On vous présente ça sous forme de? Généralement, c'est vrai ou faux? Justifié? Cocher quoi? Généralement, vous avez vrai ou faux? Vrai, faux? Ou bien? La bonne réponse pour trouver l'idée générale. Donc, faire sortir l'idée générale en choisissant parmi les thèmes. Ensuite, il y a détail. Oui. Détail ou bien, oui. Détail, Verständnis. Détail, Verständnis, c'est la compréhension détaillée. Après, une deuxième lecture ou une troisième. N'est-ce pas? Détaillirtes. Lesen. Vous avez ça dans le tableau ici. Même ce n'est même pas la peine que j'écrive ça. Vous avez ça. Détaillirtes. Lesen. Donc, après la première lecture, vous devez avoir un aperçu global sur le texte. Savoir de quoi ça parle. Et pour cela, il faut se poser quel genre de questions? Pour ici, je reviens ici. Oui, en allemand, comment vous le dites? En allemand, ya? Yeah? Worum? Ya, yeah, Adama? Worum geht? Mm-hmm. Ya, yeah. Worum geht es in diesem Text? Ou bien, il y a plusieurs façons de le dire. Il y a worum geht es in diesem Text? Il y a également?
Vos, pas vorum, mais vos. Vous avez appris les pronoms adverbiaux. Ja. Worüber spricht man, ou bien wovon spricht der Text, ou bien wovon handelt, ou bien. Vous avez trois façons de formuler, de poser une question pour trouver l'idée générale du texte. Vous trouverez ça en annexe. Maintenant, si c'est détaillertes lesen. Toujours dans la globale lesen, pour vous aider, je vous ai dit en classe, il faut faire quoi? Il faut se poser quel genre de questions? Faire. Mm-hmm. Il faut ce qu'on appelle les V-Fragen. Il faut toujours pouvoir soi-même poser ces V-Fragen et trouver des questions à ces V-Fragen. Si vous le faites, vous trouvez l'idée générale. Alors, ces V-Fragen commencent par quoi? Vers. Avant vous. Vers. Vas. Yeah? Mm-hmm. Wie, vielleicht. Wo. Wenn. Est-ce que c'est wenn? Wem, c'est la même question que vers à un autre cas. Wann, par exemple, etc. Mais l'essentiel, c'est de poser ces V-Fragen et pouvoir trouver les réponses à ces V-Fragen. Et maintenant, si vous faites le recoupement avec ces V-Fragen, avec les réponses, vous aurez l'idée générale du texte. Maintenant, avec la détaillertes lesen, vous avez quel type d'exercice? Vous avez quel type d'exercice? Pour une deuxième ou troisième lecture, vous avez quel type d'exercice généralement? Mm-hmm. Pas encore répondre aux questions. Vrai ou faux justification, ça peut être détaillertes lesen ou bien globales lesen. Ça dépend de la typologie. Mais il y a un exercice plus typique. Nous sommes ici. Ça, c'était là. L'idée générale, c'est dans la globale lesen. Mais dans la compréhension détaillée. Donner un titre chaque paragraphe. Oui, on peut trouver des paragraphes. Ça aussi, c'est détaillé, mais il y a un peu d'idée générale dedans. Les idées directrices. Ça, nous avons dit que ça, c'était l'idée générale. Dans la compréhension, vous avez un. Vrai ou faux, ou bien trouver des titres, ou bien prenez, sélectionnez les paragraphes, ou bien etc. Mais dans le deuxième exercice, vous avez quoi, généralement? Avant de répondre aux questions, il y a un autre type d'exercice que vous voyez habituellement. C'est les exercices avec coché, A, B ou C. C'est quel genre d'exercice? C'est quel genre d'exercice, ça? Vous avez ça aussi en anglais? On appelle? Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle typologie? Vous connaissez ça? C'est? Vous avez des choix. Vous avez plusieurs choix. Question A? QCM. À choix multiple. Vous avez dit QCM. QCM, question à choix multiple. Donc, on vous donne plusieurs choix, plusieurs réponses, et vous devez choisir parmi ces réponses-là quelle est la bonne réponse. N'est-ce pas? Mm-hmm. Ensuite, la dernière ou le dernier type d'exercice. 1-3. Selectives lesen. Vous avez quelle typologie d'exercice là-bas? Généralement? Oui? On vous demande de répondre aux questions le plus souvent. Mais c'est pour quoi? C'est pour viser quoi? La compréhension. Oui, tout.
Nous sommes toujours au 1. Text verständnis, ça veut dire compréhension du texte. Maintenant, la compréhension a trois niveaux. Il y a une compréhension globale, compréhension détaillée, sélective. Maintenant, ici, on teste quoi chez l'élève? Et merci. Si l'élève a cette capacité de faire une sélection, une synthèse du texte, c'est pour pouvoir faire la synthèse du texte. Une sélection, voir quelque chose et pouvoir sortir. Mais surtout ici, ce que vous devez faire, c'est quoi? Est-ce que vous recopiez le texte? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir reformuler. Donc, dans cet exercice-là, le plus souvent, on vous demande de reformuler. Donc, quand vous avez ça, ne recopiez pas le texte. Même si vous voyez la réponse quelque part, essayez de le reformuler. OK? On continue donc. Avant l'expression écrite, il y a un deuxième exercice. C'est ce que vous avez en deux, compétences linguistiques. Qui teste quoi? Oui, les connaissances grammaticales, comme l'a dit Thérèse. Compétences linguistiques, cet exercice teste les compétences, comme on l'a dit. Les compétences de l'élève, les aptitudes de l'élève dans la communication. Parce que la grammaire, c'est la communication. Alors, vous avez quel type d'exercice là-bas? Oui, j'aime ça. Et comment on le formule? C'est ça que je veux. Comment on formule ça? D'habitude. Comment sont formulées la typologie des exercices? C'est comment? Vous devez pouvoir faire un Prüfungssatz, concevoir une épreuve. Alors, si vous devez concevoir une épreuve, qu'est-ce que vous allez mettre en compétences linguistiques? Premier exercice, comment vous allez intituler ça? Oui, par exemple? Avec les mots encadrés. C'est-à-dire? Ou bien on donne une phrase avec trois réponses différentes, on demande de choisir. En compétence? Comme quoi, par exemple? Non, laissez-la. Oui? Quand on met la phrase à l'actif, on donne on donne trois réponses à mettre. Par exemple, si on remet un verbe à la fin, on remet verbe, vous, verbe, vous. Oui, mais comment s'intitule l'exercice, d'abord? Choisir la bonne réponse. Oui, ensuite, est-ce qu'on vous donne des phrases en vrac comme ça? Non. C'est quoi? C'est un? Généralement, ça doit être un texte. C'est un petit texte, même si c'est deux à trois phrases, on considère ça comme un texte parce qu'il y a de la logique dedans, il y a de la cohérence dans le texte. Et on vous demande maintenant compléter ce texte-là avec, soit on pose un contexte, on peut mettre par exemple, comme elle a dit tout à l'heure, actif, passif. Actif ou passif. Ça, c'est un contexte. Alors, si on dit ça, ça va faire quoi? Quand on vous dit actif ou passif, qu'est-ce qu'on vous demande? De mettre les phrases à la fois passif et à la fois actif. C'est-à-dire ça, c'est un contexte, c'est-à-dire qu'il faut identifier d'abord là où vous avez actif ou passif. Voilà. D'abord, identifier. Ensuite, compléter. Donc, d'abord, il faut identifier parce que tout choix implique une compétence. Si vous devez choisir, ça veut dire que vous êtes en mesure de compléter d'abord. Et ça commence par l'identification. Il faut savoir identifier. C'est la même chose si on dit également passé ou présent. Les temps. Passé ou
Passé, c'est prétérit ou imparfait. Alors, passé, ça peut même être passé composé. Ou présent. Toujours après maintenant, on va dire compléter avec. Et on vous dit plus jamais maintenant mettre au passé composé ou bien mettre au présent ou bien mettre. Non. On vous met devant la situation à vous de voir ce que l'élément que je dois mettre là-bas. C'est-à-dire, il faut que j'identifie d'abord et le temps ou bien la voie et que je puisse choisir parmi les réponses qu'on m'a données la forme qui convient au temps ou bien à la voie, etc. Même si la déclinaison, si c'est déclinaison également, ce sera la même chose. Ou bien, il y a, par exemple, dans un texte, on vous demande de compléter avec les mots dans la caisse. Dans la caisse, ces mots-là, en général, c'est quoi? Ça peut être des propositions, ça peut être des conjonctions, ça peut être des articles. Tout dépend de ce que nous voulons tester dans la communication, dans la situation de communication. Ça peut même être une dictée. Quand on vous demande, par exemple, corriger les fautes, ça c'est une dictée. Corriger les fautes glissées dans un texte, là aussi, on ne peut pas corriger si on n'identifie pas. Donc, il faut savoir identifier où se trouve la faute d'abord, ensuite corriger la faute. Le plus souvent, les élèves font le contraire. Au lieu d'identifier la faute, ils ajoutent d'autres fautes. Vous ajoutez toujours d'autres fautes. Il y a également des choix multiples. Les choix multiples, c'est par exemple quand on vous donne trois formes différentes du passif ou bien trois formes différentes de l'actif. Vous devez être en mesure de choisir la bonne forme. C'est ça. Il y a des associations, etc., etc. Vous aurez ça en annexe avec les exercices là. Troisième. On continue. Alors, troisième exercice, c'est quoi? Troisième exercice, c'est ce qu'on appelle expression écrite ou comment en allemand? Oui, schreiben, mais comment on intitule ça le plus souvent? C'est, on dit Aufsatz. Expression personnelle, schreiben, ja. Schreiben, on vous demande quoi? Oui, production d'écrit veut dire quoi? Pas seulement dans le texte. Mais tout ça, c'est produire. Donc, produire veut dire faire quelque chose de vous-même. De vous-même. Mais ici, ce sera de façon écrite. Ici, quand on dit deuxième exercice, c'était compétence linguistique ou Sprachkompetenz en allemand. Ça veut dire les compétences langagères que vous avez ici maintenant. Et ça, c'est le plus souvent, ça correspond à ce qu'on doit parler. Mais ici, c'est écrit. Schreiben. Alors, ça, vous avez ici également quelle typologie? Quelle typologie d'exercice vous pouvez avoir avec la production d'écrit? D'ordre général. Oui, oui. C'est ça qu'on appelle d'ordre général. Donc, le premier ou le deuxième sujet, l'un des sujets en tout cas, peut aborder le thème, mais sous une autre perspective. Pas exactement sous la même perspective, mais sous un autre angle, par exemple. L'autre sujet peut être une ouverture. Mais quels sont les formats que vous avez d'habitude? Le mail. On peut avoir? On peut avoir un email. Oui. On peut avoir? Un brief. Oui. On peut avoir? Oui. Un dialogue. Pourquoi pas? Un dialogue. On peut avoir quoi également? Ce n'est pas les seuls que vous avez. Oui, la narration, oui. C'est-à-dire un texte argumentatif. De quoi?
Et comment on appelle cette forme-là? Quand on vous demande de présenter ou bien de faire un portrait d'un pays, etc. Oui, c'est une description, mais il a un nom en allemand. Oui, on a fait ça. Je ne me rappelle plus dans quel devoir, mais on a fait ça. Comment on a... Oui, Vorstellung. Exactement. Ça, on appelle ça déjà un Steckbrief. On peut avoir quoi également? Ce n'est pas les seules formes que vous avez. Il y en a plusieurs. On ne peut pas tous les citer. Vous pouvez avoir, on vous demande de faire une interview. Comme vient de faire Frau Mbaye ici, on vous demande de mettre ça sous forme de schreiben, interview. Etc. Vous pouvez avoir d'autres façons. D'autres, oui. Non, ce n'est pas la même chose. On ne parle pas, je parle, vous me répondez. Oui, mais toi, tu vas poser des questions. Après la réponse, tu vas rebondir à partir de la réponse. C'est ça l'interview. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans le dialogue, toi, tu parles, lui, il parle. Mais là, toi, tu ne fais que poser des questions. Le journaliste ou bien celui, le reporter, il ne fait que poser des questions. Donc, il ne doit pas argumenter. Voilà, dans une interview. C'est ça à peu près la différence. Voilà. Et il y a maintenant des critères qui sont donnés d'appréciation, etc., etc. On reviendra peut-être sur ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans l'un ou l'autre des sujets de la typologie, qu'il soit un mail, une lettre, une interview ou un texte argumentatif. Texte argumentatif, c'est quand on vous dit argumentire ou bien erzähle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, oui, mais le plus souvent, quand on vous donne ça, il y a des sous-questions dans l'exercice. On vous donne un contexte, on pose des questions. Ces questions-là, on ne vous demande pas de répondre exactement. Première question, vous répondez. Deuxième question, vous répondez, etc. Il faut former à partir de ces questions-là un texte argumenté. Et qu'est-ce qu'il faut respecter? Quels sont les critères qu'on vous demande de respecter? Qu'est-ce qu'il faut montrer au correcteur, par exemple? Qu'on a compris la consigne. Il faut faire tout pour, dans votre production, montrer qu'on a compris le sujet. En quoi faisant? En respectant quoi? La consigne donnée, oui, mais... L'ordre des questions. Oui, l'ordre des questions, il faut répondre donc à toutes les questions. Il faut également être cohérent. La cohérence, c'est noté. Également, il faut être rigoureux, pertinent dans ce qu'on dit. Ça, c'est la pertinence. Ça également, c'est noté. Et également, il faut éviter quoi? Les fautes. Il faut éviter au maximum de faire des fautes. Il faut éviter au maximum de faire des fautes. À part ça, maintenant, il y a... On vous donne, par exemple, à environ traiter le texte en environ combien de mots? 100 mots. Etc. Il faut respecter ça aussi. Il faut respecter la longueur qu'on vous demande de faire pour la production. Tout ça, donc, ce sont des critères qui sont pris en compte dans la correction. C'est pourquoi il faut faire attention avec ces critères-là. Et il faudra, avant de commencer, faire quoi? Avant de commencer à écrire, à produire, il faut... Pour cela également, je viens de vous donner des thèmes là. Il faut vous inspirer de ces thèmes là à la maison. Lire, faire des lectures, faire des recherches sur les thèmes là, à la maison surtout.
faire des recherches sur les thèmes, essayer de vous exercer. Vous pouvez même essayer de créer votre propre sujet. Votre propre sujet. Comme ça, vous créez votre propre sujet en vous inspirant des devoirs que vous avez à la maison et de ce qu'on vient de voir aujourd'hui et essayer de traiter ça. Essayez de vous faire corriger aussi. Donc ça, c'était des recommandations qu'on voulait vous donner. Alors, coupez, on peut s'arrêter là et faire une petite pause avant d'en venir maintenant à l'application. Alors, nous allons mettre donc en application ce que nous venons de voir dans notre exercice précédent, dans notre activité précédente. Nous avons un texte à l'appui que je vais vous distribuer. Je vais former donc deux groupes. Vous allez travailler la globale Verstehen et la compétence. Ce sont les deux activités que vous allez faire. Donc, nous allons passer donc à la séance de plénière après les quelques minutes de travail en groupe. On va essayer de corriger. On va d'abord lire le texte parce que c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Quelqu'un peut essayer de lire et très rapidement, on n'a pas assez de temps. Und Geburtstagen sehen wir uns alle. Ich würde sehr gerne in der Nähe. Meiner Eltern leben, da diese mittlerweile auch ziemlich alt sind und sicherlich bald Unterstützung benötigen. Auch unsere Kinder vermissen die großen Eltern. Die Großeltern und Verwandten oft. Unsere mittelfristige Perspektive ist es daher für meinen Mann und mich in der nächsten Zeit Arbeitsstellen und eine Haus, ein Haus in Nordrhein-Westfalen zu finden. On se pose quelques questions rapidement. Worum geht es im Text? In diesem Text geht es. Maintenant, on vous donne les idées. Parmi ces idées, il y en a deux qui reflètent l'idée générale du texte. Donc, je suppose que vous êtes posé les questions. Nous avons dit, vers, vase, veau, etc. Et ça vous permet de trouver la réponse ici. Alors, quelles sont les deux idées? Il faut lire d'abord les quatre choix. Adama? Das Leben in Afrika. Mm-hmm. Meine Lebenserfahrungen. Mm-hmm. Mhm. Mhm. Ja. Alors, on choisit quoi? Ein Nomadenleben. Qu'est-ce qui le justifie dans le texte rapidement? Une vie de nomade, ja? Ich lebe zwei Jahre lang in den Niederlanden. Mhm. Etc. etc. Yeah. Le fait de quitter un pays pour aller vers un autre et vers un autre également, ça devient une vie de nomade. Ensuite, mein Lebenserfahrungen. Gut. Alors, on passe. Deuxième question.
Deuxième question, qui lit? Oui, Thérèse. Warum ging Frau Müller ins Ausland? Ja. Sie wollte Erfahrungen außerhalb Deutschlands haben. Il faut d'abord lire les trois réponses proposées. Sie wollte Urlaub machen. Mm-hmm. Sie wollte einen Mann in den Niederlanden kennenlernen. Sie wollte Erfahrungen außerhalb Deutschlands haben. Et vous choisissez? La troisième. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Good. On passe? Réponse C. Donc, troisième phrase suivante, Aïssata. Der Mann von Frau Müller ist kein Deutscher, kommt aus einem Bundesland, ist Süden Deutschland, macht nicht Nordrhein-Westfalen. Mm-hmm. Quelle est la bonne réponse? Kommt aus einem Bundesland, in Süd Deutschland. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Kommt. Et quel est ce Bundesland? Quel est ce Bundesland? D'où vient? Bayern. Gut. Im Süden. Vous venez de voir les Bundesländer. Troisième phrase. Die Kinder von Andrea sind zwei Menschen. Zwei Jungen ou bien Jungs. Les deux termes. On peut dire les deux termes. Tout le monde est d'accord avec zwei Jungen? Yeah. Gut. Pourquoi? Dans le texte, on a dit? Zwei Söhne. Gut, deux garçons. Question suivante. Oui. Welche Sprache kann Andrea? Deutsch und Spanisch. Niederländisch. Englisch. Répète ça, Niederländisch. Niederländisch. Englisch. Und Deutsch. Oui, ou bien? Nur Deutsch. La réponse est? Vous êtes d'accord ici? B. Niederländisch, Englisch und Deutsch. Très bien. Donc, ça, c'était les quatre réponses qu'il fallait choisir pour le 1, 2, 1, 3. Répondre aux questions suivantes. Oui. Répondre aux questions suivantes par vos propres phrases. Mm-hmm. Ici, c'est quelle phase de la compréhension? C'est quelle phase? Nous avons trois phrases. Selectives lesen. Gut. Zitieren bitte einen Treffpunkt Leder und Frau, die Gänsefamilie zu Weihnachten. Zu Weihnachten, ja? Die Treffpunkt für die Gänsefamilie sind. Die Treffpunkt oder die Treffpunkte? Die Treffpunkte. Punkte. Für die Gänsefamilie sind größere Familien, Feste und Geburtstag. Da ist es sagt bei einem Eltern. Ja. Tout le monde est d'accord avec ça? Non. Non, pourquoi? Ah, vous êtes ensemble et tu dis que la reformulation n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Groupe Heinz, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est ça. Et la reformulation? C'est parfait. Répète. Punkte. Punkte. Für die Gänsefamilie sind größere Familie, Feste und Geburtstag. Da ist es bei einem Eltern. Qu'est-ce qu'on vous a demandé ici? Pour ne pas. Ne pas passer à autre chose. Citer un lieu. Un lieu, c'est bon. Si vous en citez plusieurs, c'est bon. Mais vous n'avez pas besoin de la deuxième partie de la réponse. Bei größeren Familienfesten. Ça suffit. On vous a demandé de citer un. Ne vous compliquez pas pour citer d'autres. Et ne pas aller aux justifications, ami. C'est toi qui as donné l'idée là. Vous n'avez pas besoin d'aller justifier que vous avez compris. On vous demande juste citer. Alors, Familien, donc on va mettre ici, Familienfesten. Deuxième point de la réponse. Welches Projekt? Qui lit ça? Lis la question. Welches Projekt haben mittelfristig Andrea und ihr Mann? Qu'est-ce que vous comprenez par mittelfristig? Il fallait chercher ça. Mittelfristig.
À moyen terme, good. À moyen terme. Mm-hmm. Donc, quel projet a Andrea et son mari? Quel projet ont-ils à moyen terme? Das ist ganz klar im Text, ja? Qu'est-ce que vous en pensez? Hmm? Oui? Hmm. Vous êtes dans le même groupe. Je vous ai demandé de faire une plénière entre vous. Dans la plénière, est-ce que vous n'avez pas discuté de ça? Ah. C'est toi qui as insisté. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Répète, s'il te plaît. D'abord, nous avons dit reformulation. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a recopié le texte. Alors, pour reformuler cette question, qu'est-ce qu'on et répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Mm-hmm. Das Projekt. Mm-hmm. Von das und ihr Mann mm-hmm. mittelfristig sind. Répétez. Sind. Mm-hmm. Tu l'as déjà dit, oui. Sind. Nächsten Zeit, ça veut dire mittelfristig, toujours. Ein, avant le Haus, il y a quelque chose. Ein. Avant ein Haus, il y a quelque chose. C'est quoi? C'est deux projets. Eine Arbeitsstelle, Arbeitsstellen und ein Haus. C'est ça les projets. Arbeitsstellen, Arbeitsstellen und ein Haus, wo in Nordrhein, ja. On passe à la compétence. Donc, c'est ça les projets. Trouver des emplois et une maison à Nordrhein-Westfalen. Deuxième question. Oui? Mm-hmm. Il n'y a pas de compétence. Oui, oui, mais il y a une autre feuille pour la compétence. Vous avez ça? Vous avez travaillé uniquement... Aïe, 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 aïe. Moi, je croyais... Alors, c'est vous qui avez travaillé donc avec la compétence. Et là, dans ma feuille, j'ai la correction, ce qui veut dire que je ne peux pas vous donner ça. Chut. Alors... Donc, on va découvrir ça ensemble, ici. On découvre ça ensemble, ici, parce qu'il n'y avait que deux copies. On lit exercice 1. Je vais donner la parole aux autres, parce que c'est eux qui n'ont pas fait ça. Oui? Identifier et corriger les quatre glissés dans le dialogue suivant. Mm-hmm. Je lis. Oui? Du Nancy, was gemacht, dein nicht gesehen habe. Mm-hmm. Sein Job ist... Est-ce qu'il y a des fautes dans la première? D'où Nancy va se marquer dans une nichte zéna. Où? Nicht. Mm. Oui, nicht. Le verbe. Mm. Chut, parlez, il y en a un, oui. Mm-hmm. Non, ça c'est une petite erreur, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Donc. Was, d'où Nancy? Hmm? Pourquoi? C'est quel genre de phrase? Oui, alors où est la place? Quelle est la place du verbe? Deuxième place après? Après le pronom interrogatif. C'est sa place, non? Le verbe. Mm-hmm.
doit le mettre à la début de la phrase. Au début de phrase. Oui. Ça, c'est un dialogue. C'est un dialogue, on apostrophe directement quelqu'un. Par exemple, « D'où Aïssata ?» Je t'apostrophe. Alors, ça considère que ça ne fait pas partie de la phrase. Oui, de la question. Oui. Oui. Quel est son sujet? Ah, d'où l'importance de la virgule. Non, c'est ça. C'est comme ça. La virgule change tout ici. La virgule. Toi, Nancy. Ah, ok, c'est Nancy. Alors, quel est le sujet ici? D'où Nancy? Je t'apostrophe. Et Seynabou, par exemple. Ensuite, le reste de la phrase. Was macht deine Nichte Seynabou? C'est là que commence la question. Donc, le reste, vous pouvez considérer que. Out. Was macht deine Nichte Seynabou? Est-ce correct? Est-ce qu'il y a une faute? Où ça? Qu'est-ce qui vous dérange ici? C'est ça le problème, moi, je sais. Nicht. Pourquoi ça vous dérange? Bonne question. Bonne question. Est-ce que c'est accordé? Quelle est sa nature? Nature. C'est un nom. Pourquoi? Parce qu'il y a la nature. Déjà, madame. Oui, Daina. Accompagne un nom. Ensuite. Nish, ça doit exprimer la négation. Attends, attends ton tour. Oui, Aïssata, continue dans ta logique. Oui? Parce qu'on a Daina. Oui, l'article qui doit accompagner un nom. Ensuite, il y a une autre marque qui te permet de savoir que c'est un nom. C'est quoi? L'accord. La déclinaison. D'un nom. C'est? Majuscule. La majuscule, merci. Les noms en allemand s'écrivent toujours avec une majuscule. Donc ici, est-ce que Nicht, c'est le Nicht là que vous connaissez? Non. Parce que c'est ça la négation, ne pas. Est-ce la même chose? Non. Parce qu'on vous dit Deine Nicht Seynabou. Ça veut dire, imaginez que c'est autre chose, c'est pas Nicht. C'est un nom ici. Il signifie quoi? Ta? Un nom. Un nom. Ta nièce. Ensuite, il faut comprendre le dialogue. C'est pourquoi c'est important la situation de communication. Ensuite, parce que si tu fausses ça, normalement tu vas fausser ici s'il y a quelque chose à corriger. On y va? Sein Job ist Friseurin. Clara. Ce qui veut dire que le dialogue, c'est entre qui et qui? C'est Anna Clara et Nancy. Good. Est-ce qu'il y a une faute ici? Sein Job ist Friseurin. Il faut savoir identifier les fautes. Sein, c'est quoi? Quel est? Adjectif possessif qui s'accorde avec qui ici? Avec le travail. Adjectif possessif ici, c'est pour qui? Qui possède? Qui possède le job? C'est Seynabou. Oui, c'est du Nicht Seynabou. Alors, quel est l'adjectif possessif qui va avec Nicht Seynabou qui est féminin singulier? L'adjectif possessif, c'est? Donc, Abdoulaye. Quand le possesseur est féminin, ce n'est pas Zain, c'est Ir. Ensuite, maintenant, on cherche la chose possédée. Quel est son genre? La chose possédée ici, c'est Der Job. Alors, est-ce que Ir prend une terminaison? E? Non. Donc, ici, vous avez Ir Job. Ir Job ist Friseurin, Clara. Ensuite, donc la première faute, c'est ici. Ihr Job. Oui? Und? Est-ce qu'il y a une faute?
C'est une question. Donc, pas Yvonne. Habite-t-elle toujours chez ton oncle? Y a pas de foot? Où ça? Oh, je vous ai dit ça ici tout de suite. Dynam. C'est où la faute, rapidement? Je vous ai dit ça tout à l'heure ici. Donc, sous. Quand est-ce qu'on emploie sous et quand est-ce qu'on emploie bail? Abdoulaye, quand est-ce qu'on emploie sous? Quand est-ce qu'on emploie bail? Les deux signifient quoi? Chez. Sous quand on prend la direction, bail. Donc ici, bail. C'est la faute, c'est là-bas. Vous cherchez toujours la faute sur la déclinaison. J'ai fait ça en classe, vous m'avez dit ça, c'est pas des fautes, c'est des erreurs, quelque chose comme ça. C'est toujours des fautes. Alors, nine, on continue? Nine, kind mère. C'est toujours, il faut toujours partir de là. La question posée ici, c'est von sie immer zu deinem Onkel? Réponse? Nine? On dit nine? Est-ce qu'on peut dire kind mère? Nine? Nein? Oui, mais nein est la négation de quoi? Nein, c'est la négation d'un article indéfini. Kein, plutôt. Kein, c'est la négation d'un article indéfini. Ein. C'est quand on voulait dire nicht ein, qui n'est pas possible en allemand. Alors, vite, oui. Alors, nicht, j'ai déjà donné ça. Nein, nicht mehr. La réponse c'est nicht mehr et non kein. Donc la faute se trouve ici sur kein. Denn sie ist in neue Wohnung umgezogen. Und wo ist das? Il n'y a pas de faute là-bas? In die Stadt. Nicht weit vom Marktplatz. Il n'y a pas de faute ici? Wo ist das? Das ist. Correct? Avec ist. Verbe de position. Oui. Avec ist. Préposition mixte. Quand on est dans le local? In der. Yeah. In der Stadt, nicht weit vom Marktplatz. C'était les fautes. Donc c'était les fautes qu'il fallait corriger. On passe très rapidement. Le temps nous attrape. Alors, exercice 2. Exercice 2. On y va. Oui. Faisons ou pas écrire les verbes en parenthèse au temps qui convient. Oui. Le contexte, il faut savoir c'est est-ce qu'on doit corriger au présent ou au passé. Oui. Vorgestern sein. En parenthèse, c'est war. Ich in einer Firma. Einen Job haben. On est d'accord avec ça? Ja. Leider finde ich den Chef nicht. Vous êtes d'accord? On corrige verbe par verbe. On est d'accord avec ça? Leider finde ich den Chef nicht. On est toujours où? À quel temps? Oui, mais c'est une continuité. Oui. Oui, c'est toujours le même temps. Leider. Fand ich. Il faut retenir que quand on vous dit présent ou passé, si vous mettez passé, vous avez la possibilité de mettre le passé composé. Sauf que, avec les verbes, les auxiliaires et les verbes de mode, les auxiliaires de mode, on a tendance à utiliser le plus souvent le prétérit. Donc, war, wollte, hatte, etc. Leider, fand ich. C'est plus simple. Leider fand ich
den chef nicht, aber ich hatte. Mhm. Einen Termin heute. Ich habe. Mhm. C'est bien que tu aies changé. Aber ich habe einen Termin heute Nachmittag damit. Pourquoi donc un présent? Heute. Heute est un indicateur de temps, comme Folgestern. Troisième exercice, rapidement. Troisième exercice, rapidement. Pas toujours les mêmes. Ici. Ami. Oui, c'est pourquoi il faut découvrir ça en même temps. Je comprends. Vous allez chercher ça là-bas. Il faut amener la consigne. La consigne. Actif ou passif, oui. Ah, le problème, c'est qu'il fallait descendre ça. Mais on sait que c'est actif ou passif. Ensuite, les phrases maintenant, oui. Letzte Woche finden meine Cousine Nancy eine Arbeit, die lange und überall suchen. Point. Il faut identifier est-ce un passif pour le premier verbe ou un actif. Mm-hmm. Actif, on y va. Letzte Woche. Letzte Woche. Mm-hmm. Meine Cousine Nancy eine Arbeit. On s'arrête là-bas. Donc, vous utilisez le présent. Mm-hmm. Regardez l'indicateur de temps. Letzte Woche. La semaine dernière, au passé. Il faut faire attention à ça. Letzte Woche. Ensuite, le sujet, c'est Nancy. Donc, pas de pluriel. Letzte Woche. Finden. Troisième personne du singulier. Passé. Fand. Ja. Letzte Woche fand meine Cousine Nancy eine Arbeit, die lange und überall. Ici, passif ou actif? Où? À la fois passé. Mm-hmm. N'est-ce pas? C'est le complément qui devient sujet. Oui, oui. Mais ici, on a dit actif, non? Ici, c'est actif. Mais dans, avec le deuxième verbe, est-ce un actif ou un passif? C'est un passif. On y va? Oui? Mm-hmm. 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 N'oubliez pas, une, dit, c'est un pronom relatif, donc subordonné, le verbe à la fin. Die lange und überall. Le verbe conjugué à la fin. Die lange und überall. P2. Mm-hmm. Mm-hmm. Il manque le l'auxiliaire. Wurde ou wird. Mais ici c'est wurde normalement. Mm-hmm. Die lange und überall gesucht wurde. Point. Deuxième phrase, on y va ici. Je vous donnerai après la correction. On n'a pas assez de temps, oui? Mm-hmm. Passif ou actif? Actif, oui. Identifie le sujet Nancy. Yes. Troisième personne du singulier, können, c'est? Kann. Yes, kann. Yes, kann Nancy. Mm-hmm. Atmen. Atmen. Yes, kann Nancy. Atmen. Avec le verbe de modalité, l'autre verbe est à l'infinitif et à la fin de la phrase. Donc, yes, kann Nancy. Atmen, weil ihr Geld, actif ou passif? Passif. Passif. Très bien. Weil ihr Geld, von ihr, donc, von ihr, Nutzen, benutzen, c'est ça qu'on conjugue au passif. Von ihr, benutzen. Danke schön. Benutz, c'est pas fini. Ihr Geld, singulier. Benutz, wird. Von ihr benutz wird, virgule, um ihre Familie und auch ein paar armen Leute zu helfen. On est d'accord. Après, je vais vous donner la correction. Dernier exercice. Qui ne fait pas partie de l'exercice, de l'examen, mais il faut le connaître quand même. Parce que ça peut, il peut arriver que vous ayez
ce genre d'exercice à l'examen. Donc, il faut toujours s'entraîner à ça. On le fait rapidement. C'est association. Ce format-là, on n'avait pas cité ça, c'est pourquoi j'ai dit etc. Donc, il y en a d'autres et d'autres et d'autres. Association, donc. Exercice 4, associer les exercices de la colonne A à la colonne A, ceux de la colonne B, pour avoir des résultats corrects. Écrire ensuite le résultat sur la colonne ici. Donc, comment faire ça? Ce sera, vous faites 1, la lettre 2, avec la lettre, etc. On y va? Ça, c'est... vous suivez ensemble. C'est une situation de communication aussi. Nachdem wir lange studiert haben, est-ce que ça doit aller avec dessen Familie ou bien genießen wir nun die tolle Arbeit, etc. etc. Mm-hmm. Mm-hmm. Nun die tolle Arbeit. Donc, un, on l'associe avec le B. Ensuite, wie heißt dein Onkel? Comment s'appelle ton oncle? Regardez la question ici. Ça, c'est un indicateur. Wie heißt dein Onkel? C'est une question. Regardez ici où se trouve la question et vous trouvez, même si vous ne savez pas de quoi ça parle. Il faut des stratégies. Dessen Familie. Yeah. Donc, deux, c'est A. Donc, ça, c'est des stratégies pour aller vite. C'est bon. Troisième question. Weißt du? Voilà. Weißt du das? Donc, trois. Trois avec D. Et le dernier? Avec C. Donc, meine Familie kann jetzt in ihre. Donc, quatre avec le C. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a toujours des stratégies. Il faut voir. Par exemple, les virgules là peuvent aider. Ici, les points, etc. peuvent aider. Il faut être intelligent et observer, tout simplement. Alors, est-ce qu'on fait une pause pour faire comme les Halpes là? Alors, nous allons faire une petite pause avant de revenir pour la dernière activité. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour après un bon moment de détente avec la pause déjeuner. Nous allons terminer avec la dernière activité qui est, madame? C'est la phase de production, qui est la phase de conception, de production d'écrit avec les élèves. Donc, ce sera au tour des élèves de pouvoir concevoir une épreuve de production d'écrit. D'accord, alors let's go. Ok, seid ihr fertig? Für die nächste und letzte Aktivität. Ihr habt gut gegessen? Ja? Ja. Okay. Ich glaube, ihr seid fit jetzt. Ja. Ami, bist du wach? Gut. Alors, la dernière activité, ce sera la production d'écrit. Et maintenant, comme c'est la dernière phase, c'est à vous de produire. Moi, j'ai déjà produit beaucoup de choses. À votre tour maintenant, de montrer que vous savez produire quelque chose. Ce que vous allez produire, c'est concevoir un sujet de production d'écrit. Comment vous allez vous en prendre? Je vous avais dit que il faut partir du thème général. Les sujets, l'un traite du thème général, l'autre peut traiter également du thème, mais avec des sous-thèmes dans le texte, c'est-à-dire des problématiques qui ont été soulevées dans le texte. Vous puisez là-bas et vous formulez une épreuve de production d'écrit. C'est ça que vous allez faire donc. En deux groupes, vous choisissez le format, soit nous avons vu un mail, un brief ou bien texte argumentatif. Vous choisissez quoi? Vous choisissez? Dialogue, généralement, ça ne vient pas au bac. Généralement, ça, il faut que je vous le dise. Le dialogue, c'est pour les petites classes, en général. Un mail. Donc, est-ce qu'on ne va pas faire deux groupes? L'un
feuille, un mail, l'autre un brief. C'est bon. Alors, vous allez choisir sur le thème général, soulevé dans le texte, c'est quoi? Oui, la vie d'Andrea, mais quoi particulièrement dans la vie d'Andrea? Voilà, nomaden, tout tourne autour de nomaden leben. Donc ce que vous devez faire, c'est essayer de produire quelque chose, des questions à partir d'un contexte. Le contexte, vous avez dit ça, vous n'allez pas parler de Andrea maintenant, ce sera un transfert. Vous n'allez pas parler de Andrea, ce sera sur une autre personne, sur d'autres personnes en tout cas. Vous allez parler de ça et essayer de faire une production d'écrit qui va interpeller quelqu'un pour qu'il écrive une lettre à un ami, à un parent, etc. etc. Donc vous allez poser ce contexte-là, ensuite amener des questions qui logiquement vont aboutir à un texte. Et si vous parvenez à faire ça, ça veut dire que vous pourrez aussi produire un texte à partir de ça. Est-ce que vous avez compris? C'est la même chose pour le mail. Vous allez partir de la vie, du quotidien de quelqu'un. Ça peut être vous ou bien un ami. Vous écrivez à un ami ou bien un ami vous écrit un mail, etc. Donc essayez de partir de cela. Vous avez 10 minutes seulement pour faire ça. Vous avez vu le format qu'on vous donne dans les devoirs. Essayez de faire ça. On corrige donc en plénière. On va voir ce que vous avez pu produire. Alors, qui va commencer? On commence avec le mail, donc. On vous écoute. Dein Freund oder deine Freundin lebt nicht mit seinen oder ihren Eltern. Er oder sie reist viel. Schreibe ihn oder sie eine E-Mail, zu wissen, wie lebt das Situation. Le sujet? Wie lebt. Wie, après le sujet. Wie? Wie? Er oder sie lebt das Situation. Die Situation? Die Situation. Lebt. Lebt. Mm-hmm. On peut améliorer? On peut améliorer par d'autres questions. C'est pas fini? Vous avez quelque chose à ajouter sur ça? Non. Adore. Il faut essayer? Il faut essayer? On améliore ça d'abord. C'est déjà bien. Vous avez posé le contexte. Mais il reste maintenant les questions guidées, pour guider celui qui doit faire, sur quoi il doit axer son argumentaire. Et à la fin, vous allez dire argumentire ou bien erzähle. Si dans le cadre du mail, argumentire. On passe à l'autre. On verra ça après, comme Hausaufgabe, pour compléter. Du schreibst einen Brief, ein Freund oder eine Freundin. An einen Freund. Mm-hmm. Ein Freund oder eine Freundin. An einen Freund. Oder. Oui, Corissa, an einen Freund. Mm-hmm. An einen Freund oder eine Freundin, der oder die im Ausland leben. Im Ausland. Mm-hmm. Und du sprichst. Im Ausland? Leben. Non, tu conjugues avec l'un des personnes. L'un ou l'autre, c'est oder. Donc, im Ausland lebt. Mm-hmm. In Ausland lebt und du sprichst über seine, ihre Aktivitäten. Du ou bien er? Donc, tu vas lui demander de parler de ses activités. Mais tu ne peux pas parler de lui, ses activités. Über seine Aktivitäten. Und du sprichst mm-hmm. über seine und fragt ihn. Fragt. Tu vas lui demander de parler. Mais toi, tu ne peux pas parler à sa place. Und du fragst mm-hmm. ihr seine Aktivität. Über seine Aktivität. Aktivitäten.
Arbeiten. Argumenten. Zuschreiben, peut-être. Zuschreiben. Alors, j'ai un petit problème avec ce sujet-là. Parce que si c'est toi, tu écris un mail à un ami ou une amie qui est à l'étranger et tu veux qu'il te raconte. Et dans celui qui va écrire, sur quoi il va écrire? Il faudrait peut-être que toi, tu écrives pour parler de tes activités en tant que quelqu'un, par exemple, qui ne vit pas. Tu as un ami ou une amie qui vit à l'extérieur. Toi, tu es là, mais toi aussi, tu ne vis pas avec tes parents. Parce que c'est ça l'idée générale du texte. Tu ne vis pas avec tes parents et tu lui racontes comment tu vis cette situation, comme ils l'ont dit, et comment tu fais pour t'en sortir. Mais si c'est toi, tu écris la lettre pour savoir, même avec l'autre groupe, c'est à peu près le même problème. Mais c'est déjà bien pour un début. Je vous demanderai, est-ce que je pourrais demander ça de continuer à la maison comme Hausaufgabe. Vous allez continuer ça et vous allez me rendre ça. Vous faites ça avec tout le questionnement qu'il faut, en accent par exemple sur il va parler de la situation qu'il vit. Est-ce difficile pour lui? Est-ce que c'est facile? Quels sont les problèmes qu'il rencontre, qu'il ou elle rencontre, etc. Tout ça sous forme de questions. Après, à la fin, maintenant, vous allez mettre RCLE ou bien argumentire et on corrigera ensemble. C'est bon? Ok. Donc, on termine par là. Ça a été un très grand plaisir de partager ces moments avec vous. Vous avez été très braves, très entreprenants. Yeah. Ben voilà, nous y sommes. C'est dans cette atmosphère conviviale et familiale que nous avons eu à parcourir cette belle séance de télérévision. Maintenant, place aux interviews. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Je vais très bien, merci. Rappelez-moi le nom. Nature Sissé. Nature Sissé. Pouvez-vous vous présenter en allemand? Mein Name ist Nature Sissé. Ich bin eine Schülerin in Blesdian Gymnasium. D'accord, très bien. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cette séance de révision? Cette séance a été agréable, on a été bien accueillis, on nous a montré la carte de l'Allemagne. Parce qu'avant, je ne savais même pas qu'en Allemagne, il y avait non seulement un chancelier, mais aussi un président. Cette séance m'a bien permis de savoir tout cela, les pays limitrophes, les pays autres que l'Allemagne qui parlent la langue allemande. Et ce fut agréable, on a été bien accueillis. D'accord, et qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Quand on faisait notre coup avec Kher, et quand Kher me taquinait en me disant qu'il va me frapper, et les caméramans qui dormaient. mais cette séance, ce fut agréable, parce que, comme je l'ai dit tantôt, non seulement ça nous a permis de bien savoir les mots, le déroulement des sujets au bac, certains mots que je ne savais même pas leur existence. C'est ça. D'accord, merci aussi pour votre présence. Alors, cher professeur, nous y sommes. Oui, nous y sommes. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'abord remercier la télé-école, toute l'équipe d'encadrement, les techniciens, les caméramans. Vraiment, on remercie tout le monde. On n'oublie pas le président directeur général. L'accueil a été très chaleureux. Nous vous remercions vraiment. D'accord. Professeur? Oui, Madame Baye. Votre dernier mot? Ben, comme l'a dit ma collègue, c'est des remerciements sincèrement. Parce que non seulement il y avait un bon accueil, mais aussi il y avait une ouverture d'esprit extraordinaire, hein, sincèrement. Monsieur le directeur général est positif à tous égards. Donc il est aussi entouré de personnes positives, des gens vraiment gentils, accueillants du moins, et vraiment qui sont positifs sur toute la ligne. Donc vraiment merci pour tout et que vive Télé-École, que le programme continue, que ça continue, vraiment que ça continue encore davantage à travers le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Voilà, ces professeurs ont fait un cadeau pour le président fondateur, M. Mboup. Voilà.
Donc c'est la part de Trefpunkt. Pour lui remercier. De la part de Trefpunkt. Oui. Pour remercier M. Mouf. D'accord. Non, Trefpunkt, c'est une émission radio qu'on fait sur tout ce qui tourne autour de l'allemand, qu'on fait sur la 107.0, la radio Témoin FM. Donc au nom de l'équipe de Trefpunkt, parce que Trefpunkt aussi, c'est Trefpunkt qui sous-tend l'émission qu'on a fait aujourd'hui, donc la classe qu'on a faite aujourd'hui. Donc c'est Trefpunkt qui est vraiment la locomotive, quoi. Donc au nom, oui, oui, parce que Trefpunkt, c'est une émission aussi qui va vers les élèves. Donc les élèves de Blaise Diagne ont été aussi interviewés et ils sont passés aussi à Trefpunkt. Donc c'est tout ce qui tourne autour de l'allemand. Et nous avons un projet de faire des émissions ici au niveau de Télé-École avec Trefpunkt aussi, avec les projets d'élèves. Donc on remet ce cadeau à M. Mou. D'accord, merci beaucoup. C'est avec un immense plaisir. Ce cadeau, c'est pour nous tous. Hein. D'accord. Merci beaucoup. C'est avec un immense plaisir que nous recevons ce cadeau. Merci encore. Chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ils nous ont fait voyager dans le monde de la littérature, ils nous ont fait rêver et ils nous ont rendus amoureuses de la langue allemande. Nous allons terminer avec une citation de Sadhguru qui disait, je cite, « L'objectif de l'éducation, ce n'est pas forcer l'information, mais c'est d'allumer une soif de savoir. » Mesdames, messieurs, nous espérons que ça vous a plu et que vous avez appris bien des choses. En ces termes, je vous dis, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Télé-Révision. Merci beaucoup.